Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. J'aimerais moi aussi commencer par des remerciements et notamment remercier le comité d'histoire de la ville de Paris, et notamment Marie Aignier, la remercier pour sa très aimable présentation. Et la remercier pour la confiance qu'elle m'a faite pour l'organisation de ce cycle de conférences. Remercier aussi les conférenciers dont certains sont présents dans la salle. Et puis remercier le Petit Palais, à la fois pour cette extraordinaire exposition que vous avez vue, j'espère, mais qu'il faut revoir aussi parce qu'elle est tellement riche que c'est bien d'aller la voir plusieurs fois. Et donc remercier le Petit Palais pour son accueil si aimable dans cet auditorium. Alors, paradoxalement, pour commencer cette conférence sur les théâtres parisiens de Sarah Bernhardt, je crois qu'il faut dire un mot sur les tournées de Sarah Bernhardt. Vous savez qu'on l'avait surnommée la muse ferroviaire ou encore l'errante, parce qu'elle a passé beaucoup de temps en tournée, tournée effectuée dans le monde entier. On estime à une cinquantaine le nombre de ses tournées depuis la fin des années 70 jusqu'à sa mort ou presque en 1923. Naturellement, donc, ces tournées l'éloignent de Paris, et parfois pendant très longtemps, puisque sa tournée la plus longue, elle part en janvier 1891 et elle ne revient qu'en septembre 1893. Donc elle est partie pendant plus de 2 ans et demi. Et ces tournées ne sont finalement malgré tout qu'une moitié de sa vie d'artiste. Et d'ailleurs, une de leurs motivations principales, c'est de gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'on pourrait en gagner à Paris ou en France, pour monter des pièces comme elle l'entend une fois qu'elle est revenue à Paris. Donc il y a vraiment un lien étroit entre les tournées et l'activité parisienne. D'ailleurs, en province comme à l'étranger, si Sarah Bernhardt fascine autant, c'est bien sûr grâce à son talent, son génie, on peut même dire, mais c'est aussi parce qu'elle est une actrice parisienne, parce qu'elle vient de ce qui est alors la capitale mondiale du spectacle, dont elle est en quelque sorte la représentante suprême. Donc ce que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est cet ancrage de Sarah Bernhardt dans le Paris théâtral de son temps. Je vais évoquer donc les lieux où elle a joué et où elle s'est investie. Et donc on va faire ensemble une promenade à la suite de Sarah Bernhardt dans les salles parisiennes du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ces salles, donc, je vais les évoquer au fur et à mesure que Sarah Bernhardt y joue. Et donc je n'aurai pas à proprement parler un plan, mais je vais tirer un fil chronologique en suivant la carrière de Sarah Bernhardt. Et vous verrez, je m'arrêterai plus ou moins longuement sur chaque salle pour éviter de faire un effet catalogue. Encore un mot dans cette courte introduction. Je ne serai pas exhaustif, tout simplement parce que Sarah Bernhardt a sans doute joué au moins une fois sur la plupart des théâtres de Paris. Et si elle a joué au moins une fois sur la plupart des théâtres parisiens, c'est notamment lié à une pratique très fréquente au XIXe siècle, qu'on appelle les représentations à bénéfice, c'est-à-dire que, en l'honneur d'un artiste, par exemple au moment de sa retraite, mais ça peut être aussi à d'autres occasions, on monte un spectacle avec des extraits de pièces et les amis de l'artiste viennent jouer pour lui, puisque la recette, une fois les frais déduits, revient à la personne au profit de laquelle la représentation est organisée. Et le public aime beaucoup ces représentations à bénéfice, parce que ça permet de voir dans une même soirée des gens qu'on ne voit jamais ensemble. Et donc Sarah Bernhardt est allée participer à des bénéfices dans beaucoup de théâtres de la capitale. Elle a aussi joué, et c'est un autre type de salle que je vais me contenter d'évoquer pour finir mon introduction, dans ce qu'on appelle des théâtres de société, c'est-à-dire des théâtres privés qui sont installés dans des hôtels particuliers, voire dans des appartements. Ça fait partie de toute la carrière mondaine que doit avoir une grande actrice au XIXe siècle. Et je vous donne un seul exemple, c'est ma première image. C'est le théâtre, la salle byzantine de l'hôtel de Béhague, au coin de l'avenue Bosquet et de la rue Saint-Dominique. C'est l'actuelle ambassade de Roumanie. Cette salle, qui vous voyez n'est pas une petite salle, a été construite par la propriétaire des lieux, la comtesse de Béarn, de 1898 à 1900. Je vous disais, c'est pas petit, 24 mètres de long, 20 mètres de large, 12 mètres de haut. C'est une des plus belles salles privées, une des plus belles salles de théâtre de société qui reste encore à Paris. Sarah Bernhardt, pour tout vous dire, on sait qu'elle a été spectatrice, qu'elle a assisté à des spectacles dans cette salle. On n'est pas totalement sûr qu'elle y ait joué, mais je suis sûr que si on poussait l'enquête,
je n'imagine pas ne pas avoir envie de jouer dans ce lieu assez extraordinaire. Et tout à l'heure, Marie a gentiment cité l'ouvrage que j'avais fait chez Citadelle et Masneau, Théâtre parisien, un patrimoine du 19e siècle. C'est l'exemple qu'on avait pris. L'ambassade nous avait ouvert ses portes pour faire une campagne de photos, dont celle-ci, dans ce lieu. Pour citer aussi des salles méconnues, on pourrait citer aussi la très belle salle du Conservatoire, que vous pouvez toujours voir lors des exercices d'élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qui sont ouverts au public. Salle où elle a passé les concours de 1861 et 1862. C'est vraiment un magnifique endroit. Alors, dans cette promenade que je vous annonce, je laisse de côté les trois premiers théâtres où elle a été engagée. La Comédie française, où elle a fait un bref passage à l'hiver 62, après avoir quitté le Conservatoire. Le Gymnase, où elle fait un passage à peine plus long en 63-64. Et enfin, la Porte Saint-Martin, où elle a joué en 1865. Je reviendrai sur la Comédie française et sur la Porte Saint-Martin, tout simplement parce que Sarah Bernard y retournera, mais je ne reviendrai pas sur le Gymnase. Et finalement, le premier théâtre où Sarah Bernard a vraiment appris son métier, où elle a commencé à se faire un nom, donc le premier théâtre qu'on va évoquer ensemble, c'est le théâtre de l'Odéon, que vous connaissez, que vous voyez avec d'ailleurs notamment la statue d'Émile Augier. Hein, la semaine dernière, Guy Ducret a fait la promotion de grands auteurs comme Sardou et Rostand. Il a eu mille fois raison. On pourrait aussi faire la promotion d'Augier, mais on ne va pas transformer ce cours en un cours de promotion pour les auteurs du 19e siècle. Donc l'Odéon, c'est le second théâtre français. C'est l'un des deux théâtres dramatiques officiels avec la Comédie française. Un théâtre pour les auteurs débutants, un théâtre littéraire. Il a un inconvénient, c'est qu'il est très mal situé. La rive gauche, au 19e siècle, elle est mal vue pour l'activité culturelle. On parle d'un théâtre ultra-pontin, donc au-delà des ponts. On raconte qu'il y a tellement peu de monde que l'air pousse dans les couloirs du théâtre, etc. Et ce théâtre, il a comme public principal les étudiants, ce qu'on appelle la jeunesse des écoles, public auquel Sarah Bernard sera toute sa vie très attachée. C'est là qu'elle fait ses classes, donc à partir de 1866, elle va y rester jusqu'en 1872. Elle joue George Sand, Alexandre Dumas père, Shakespeare, le rôle de Cordélia dans Le Roi Lear. Et puis, elle obtient son premier grand succès avec Le Passant, en janvier 1869, une petite pièce en vers de l'auteur débutant François Copé. Il a à peu près le même âge qu'elle. Elle est née en 1944, il est né en 1942. Et elle a la chance aussi d'être un peu dans ce théâtre, la protégée du directeur adjoint qui a su déceler son talent, qui s'appelle Félix Duquesnel, dont je vous reparlerai. Donc là, avec l'appui de Duquesnel et avec ce magnifique succès du Passant, elle se révèle véritablement au public. Et d'ailleurs, c'est à l'Odéon que le 5 décembre 1869 est donnée une représentation à bénéfice à son profit. Pourquoi ? Tout simplement parce que son appartement, malheureusement, a brûlé. Son appartement, il était rue Aubert, donc elle joue rive gauche, mais elle habite rive droite. Et donc, pour lui permettre de compenser ce sinistre, une représentation à son bénéfice est organisée à la fin de l'année 69. Pendant la guerre de 70, Sarah Bernard va être très active à l'Odéon dans le soin aux blessés, en organisant ce qu'on appelle à l'époque une ambulance. Et donc, c'est un dévouement qu'il faut tout à fait saluer, en sachant que beaucoup d'autres théâtres, à cette même période, ont organisé aussi des ambulances. Donc, elle n'est pas la seule actrice à avoir fait ce travail de soutien aux blessés. Et c'est à l'Odéon qu'après-guerre, en février 1872, elle obtient un triomphe dans une reprise de Ruy Blas, une reprise qui a tellement de succès qu'à l'automne 1872, elle est engagée à la Comédie française, qui donc veut bien passer sur ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années avant et lui demande de revenir. Alors, vous savez que Sarah Bernard a écrit ses mémoires, Ma double vie, publiée en 1907, et voilà comment elle s'exprime par rapport à ce passage à l'Odéon. Ah, ce théâtre de l'Odéon. C'est le théâtre que j'ai le plus aimé, et je n'ai quitté qu'à regret. Tout le monde s'aimait, tout le monde était gai. Ce théâtre est un peu la continuation de l'école. Les jeunes venaient tous là. Duquesnel était un directeur plein d'esprit, de galanterie et de jeunesse. Souvent, pendant les répétitions, on allait faire à plusieurs de grandes parties de bal au Luxembourg, durant les actes dont on n'était pas.
Je me souvenais de mes quelques mois auparavant à la Comédie-Française. Ce petit monde était guindé, potigné, jaloux. Je me remémorais mes quelques mois au gymnase. On ne parlait que de robes, chapeaux. On papotait de mille choses, si loin de l'art. À l'Odéon, j'étais heureuse. On ne pensait qu'à monter des pièces. On répétait le matin, l'après-midi, tout le temps. J'adorais cela. Alors effectivement, elle adorait l'Odéon, mais elle est tout de même partie de son plein gré hein, pour rejoindre la Comédie-Française. Comédie-Française où elle va travailler de 1872 à 1880. Alors sur ce passage de Sarah Bernhardt à la Comédie-Française, je vous renvoie à la conférence sur ce sujet qui sera donnée le 30 juin par la conservatrice archiviste de la Comédie-Française, Agathe Sanjouan. Et je me contente de vous signaler que le théâtre où Sarah Bernhardt joue à partir de 1872, rue de Richelieu, est finalement très proche du théâtre que nous connaissons de nos jours, car il a fait l'objet d'importants travaux sous le Second Empire. Voilà, vous reconnaissez sur cette carte postale la Comédie-Française telle que nous avons l'habitude de la voir. C'est sous le Second Empire qu'a été constituée la place de la Comédie-Française, qui est l'actuelle place Colette, hein, qui est à l'aboutissement de l'avenue de l'Opéra, qui était l'avenue Napoléon qui menait à l'Opéra. Donc on a créé cette place, et puis dans le cadre des travaux haussmanniens, on a agrandi le théâtre, construction de la façade sud, construction du vestibule, de l'escalier monumental, du foyer du public, du foyer des artistes. C'est l'architecte Prosper Chabrol qui a dirigé ce chantier. Et donc cette nouvelle Comédie-Française, qui encore une fois est celle que nous connaissons, elle a été inaugurée en mars 1864. Là, je vous montre dans la presse une page montrant notamment cet escalier que vous reconnaissez. Bon, sur les gravures, les choses ont toujours l'air plus larges, plus grandes, mais c'est l'escalier que vous empruntez quand vous allez à la Comédie-Française. Donc là, effet des travaux d'Haussmann. J'avais prévu de faire un petit couplet pour vous dire venez au colloque sur Haussmann en capitale, mais comme c'est complet, donc ne venez pas. Plutôt, ceux qui ont déjà une place, revendez-la au marché noir ou bien venez vraiment. Et puis pour les autres, je pense que le colloque sera enregistré, donc vous aurez l'occasion de pouvoir le suivre un peu plus tard. Alors, à la Comédie-Française, Sarah Bernhardt a des succès. Hein. Hernani, que ce soit dans des créations, des reprises, Hernani, L'étrangère, Le Sphinx, La fille de Roland, Phèdre, Andromaque, Ruy Blas. Elle est nommée sociétaire en 1875, mais elle a face à elle un directeur excellent mais sévère qui s'appelle Émile Perrin, qui a d'ailleurs auparavant dirigé l'Opéra Comique et l'Opéra. C'est un destin incroyable, hein, diriger à la fois trois théâtres officiels dans sa carrière, et puis aussi elle a face à elle une troupe où elle a beaucoup d'ennemis. Et finalement, elle n'est pas du tout faite pour le fonctionnement d'une institution comme la Comédie-Française, elle qui est une perpétuelle rebelle. Ses excentricités déplaisent, de même que ses activités de peintre et de sculptrice. Le conflit entre elle et la Comédie va s'envenimer lors de la tournée que la Comédie fait à Londres en 1879. D'ailleurs, il faut noter, c'est exceptionnel, puisqu'au XIXe siècle, la Comédie-Française ne part pas en tournée. Elle a fait une première tournée en province en 1868. Il y a eu une autre tournée pendant la Commune de la part d'une partie de la troupe en 1871. Et puis donc il y a cette tournée de 79, mais ensuite il n'y aura pas de tournée régulière avant 1914. En 79, pendant l'été, la Comédie-Française est à Londres. Et Sarah Bernhardt a un peu tendance dans cette tournée à faire bande à part. Elle se lie avec un impresario anglo-saxon, William Jarrett, J-A-2-R-E-2-T. Et aussi, quand elle donne sa démission l'année suivante, en avril 1880, elle va partir aussitôt en tournée, à Londres et en province. Et puis surtout, avec l'aide de Jarrett, elle va faire sa première grande tournée aux États-Unis, d'octobre 1880 à mai 1881, 156 représentations dans 50 villes. Cette tournée, donc, qui est là un peu la tournée initiale et la découverte de l'Amérique par Sarah Bernhardt, est un magnifique succès. Mais comment faire pour jouer de nouveau quand, dans la capitale quand elle rentre de cette tournée hein, sa rupture avec la Comédie-Française a été vraiment fracassante. Il s'en est suivi un procès. Sarah Bernhardt a été condamnée à un délit de 100 000 francs, que je crois qu'elle n'a jamais payé, mais qui est resté, qui a couru tout au long de sa vie. Donc effectivement, quand elle revient à Paris après ces années passées, enfin ces mois passés aux États-Unis, c'est un petit peu compliqué pour elle de savoir où jouer. En plus, en tournée, elle a pris l'habitude
Elle a pris des habitudes de liberté qu'elle veut bien sûr retrouver à Paris. Et donc la première grande création qu'elle va faire après son retour de ses tournées américaines, qui sera sa première grande création parisienne depuis son départ de la Comédie française, c'est une pièce qu'on a déjà évoquée dans ce cycle de conférences qui s'appelle Fedora. Vous voyez une gravure vous montrant différentes scènes et attitudes de Sarah Bernhardt dans Fedora. Pièce de Victorien Sardou, créée en décembre 1882 au Théâtre du Vaudeville. Théâtre du Vaudeville qui lui aussi fait partie de l'histoire des théâtres parisiens sous Haussmann, puisque, je vous le montre, il a été reconstruit en 1869. Il était auparavant place de la Bourse, là où vous avez le restaurant, la brasserie Le Vaudeville, hein, c'est pour ça que la brasserie s'appelle comme ça. Il a été reconstruit donc au coin de la rue de la Chaussée-d'Antin et du boulevard des Capucines. Ensuite, c'est devenu un cinéma, et vous savez que c'est en travaux, et que Pathé veut en faire un des plus beaux cinémas d'Europe. Ça va rouvrir l'année prochaine, je crois. En fait, ce théâtre est un théâtre qui pourrait tout à fait convenir à Sarah Bernhardt, mais elle n'a pas vraiment les coudées franches, elle ne peut pas vraiment s'y investir. Et donc, avant même la création de Fedora, dès l'été 1882, elle a loué un autre théâtre, qui est le théâtre de l'Ambigu Comique, qu'elle a loué avec un double objectif. D'une part, mettre à la tête de ce théâtre son fils, Maurice, né en 64, et qui donc, vous voyez, est encore bien jeune, il a 17 ans et demi, mais bon, sa mère a des idées très arrêtées sur ce qu'il doit faire. Et deuxième objectif, elle veut faire jouer à l'Ambigu Comique son mari, Jacques Damala, puisqu'en effet, elle s'est mariée en avril précédent, elle a épousé Jacques Damala. L'Ambigu Comique, je vous le montre, c'est un des plus vieux théâtres de mélodrame de la capitale, situé boulevard Saint-Martin depuis 1828. Hein. Il a été malheureusement détruit en 1966. Et donc, c'est là qu'a investi Sarah Bernhardt, avec ce double objectif que je viens de vous d'évoquer. Double objectif, en fait, qui va être un double échec, hein, aussi bien par rapport à son fils que par rapport à son mari, qu'elle ne réussira pas à imposer sur les scènes parisiennes. Et dans cette affaire, elle perd beaucoup d'argent. Elle doit vendre ses bijoux et repartir en tournée. Cependant, donc, ayant regarni sa bourse à l'étranger, elle va jeter l'année suivante, donc 1883, son dévolu sur un théâtre plus important, un théâtre que vous connaissez tous, puisque Dieu merci, il existe toujours, c'est le théâtre de la Porte Saint-Martin, hein, que vous voyez avec aussi là cette façade un peu particulière. Vous verrez dans l'exposition une belle maquette, hein, qui vous montre cet état du théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors c'est un théâtre ancien, il a été construit en 1781, il a été construit pour accueillir l'opéra, ce qui explique le fait qu'il ait une grande scène et que c'est un théâtre important avec beaucoup de moyens techniques. Et vous savez qu'au début de la monarchie de Juillet, la Porte Saint-Martin a été une des grandes scènes du théâtre romantique. C'est un théâtre à la fois populaire et littéraire. Et dans la décennie qui précède l'arrivée de Sarah Bernhardt à la Porte Saint-Martin, il a connu notamment en 1874 deux grands succès. D'une part, une pièce de Dénéry et Cormon, un mélodrame qui s'appelle « Les deux orphelines ». Je pense que ce titre vous dit quelque chose. Très bonne pièce, d'ailleurs. Et puis aussi, la même année, l'adaptation de « Tour du monde en 80 jours » par Jules Verne et encore par Dénéry, un grand dramaturge. Spectacle qui, d'ailleurs, ensuite migrera au Châtelet et sera joué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de succès. Par ailleurs, c'est un théâtre tout neuf, puisqu'il a été incendié sous la Commune. Il a été entièrement reconstruit, réouvert en septembre 1873. Et donc, Sarah Bernhardt s'y installe. Elle y reprend Froufrou de Meyaki Halévy en septembre 83, avec un immense succès. Et donc, elle loue le théâtre pour y installer à la direction son fils, donc le même projet qu'à l'Ambigu Comique. Son fils qui va diriger le théâtre en 83-84. Et puis comme vraiment c'est un peu compliqué, il est trop jeune, à partir de 84 et jusqu'en 91, c'est Félix Duquesnel, un ancien directeur de l'Odéon, qui dirige pour le compte de Sarah Bernhardt le théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc Sarah Bernhardt est présente à la Porte Saint-Martin de 1883 à 1891, même si elle ne dirige pas officiellement le théâtre. Avec ce théâtre de la Porte Saint-Martin, elle dispose vraiment d'un très bel outil pour monter de grands spectacles, avec des résultats financiers certes inégaux. Je passe en revue rapidement. 1884, c'est Macbeth, et à la fin d'année, la création de Théodora. 1885, Marion Delorme, en hommage
à Hugo qui vient de mourir, mais les soucis financiers sont tels qu'elle est obligée de vendre son hôtel de la rue Fortuny et de faire une grande tournée dans les deux Amériques d'avril 86 à juillet 87. La fin de l'année 87, quand elle est revenue à Paris, c'est la création de la Tosca, dont on vous a parlé la semaine dernière de façon si flamboyante. 1889, c'est à nouveau une année de tournée, aussi bien l'Égypte que la Scandinavie. 88, pardon. Et 89, elle est à Paris, parce que, bien sûr, c'est l'exposition universelle, donc elle n'a pas besoin d'aller chercher les spectateurs ailleurs. Ils viennent à Paris pour visiter l'exposition. Et donc, elle va pratiquer à la Porte Saint-Martin toute une série de reprises pour les visiteurs de l'exposition universelle. Enfin, début 90, c'est Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc de Jules Barbier, et en fin d'année, Cléopâtre, sa dernière création à la Porte Saint-Martin. Donc les spectacles donnés sous l'égide de Sarah Bernhardt à la Porte Saint-Martin pendant cette période sont véritablement splendides. Sarah Bernhardt, directrice, même si encore une fois elle ne l'est pas nominativement, sait très bien qu'au théâtre, il faut dépenser beaucoup d'argent si on veut espérer en gagner beaucoup. Donc elle fait appel aux meilleurs décorateurs, Bailly, Chaperon, Carpezat, Lavastre, aux meilleurs dessinateurs de costumes, Théophile Thomas, Charles Bétou. Elle a des bijoux extraordinaires, elle a à côté d'elle de bons acteurs. Elle commande aussi d'excellentes musiques de scène. Tout ça, vous le verrez très bien illustré dans l'exposition. Et je vous en donne juste deux exemples. Là, une esquisse de décor de Chaperon pour Cléopâtre, donc sa dernière grande création à la Porte Saint-Martin. Et puis, ce bijou dessiné par Théophile Thomas, un pectoral qu'elle portait. Toute cette mise en scène extraordinaire, qu'on a déjà évoquée, qu'on continuera à évoquer dans ce cycle de conférences, forme finalement comme un écrin, où elle brille, car finalement, quand même, tout repose sur son jeu, son jeu dont Joël Dudouel nous avait parlé lors de la conférence inaugurale de ce cycle. Et je vais illustrer ça avec deux citations qui sont tirées des annales du théâtre et de la musique, un répertoire très précieux pour les historiens du spectacle. La première citation, elle est liée à une reprise de La Dame aux Camélias en janvier 84, donc au début de son arrivée à la Porte Saint-Martin. Et vous allez voir dans cette citation Sarah Bernhardt lutter contre les éléments, rien de moins. Madame Sarah Bernhardt était bien nerveuse ce soir, et pour une cause tout à fait indépendante de sa volonté. Une effroyable trombe qui sévissait à ce moment même sur Paris se faisait violemment sentir en plein théâtre de la Porte Saint-Martin, secouant les portes, ouvrant brusquement les fenêtres du foyer, dont le vent éteignait les lumières, menaçant le lustre et mettant en émoi la salle et la scène où Marguerite Gauthier ne captivait l'attention des spectateurs qu'à force de talent. Et quel talent que celui qui tenait ainsi tête à l'ouragan. Mais c'est surtout à partir du troisième acte qu'en dépit d'un enrouement qui devait la gêner horriblement, elle a enlevé les bravos de la salle, entièrement subjuguée par la grande charmeuse. Il faut voir de quelle façon elle écoute, frémissante et sanglotant de vraies larmes, l'insupportable serment du père Duval, et de quel accent désespéré elle laisse tomber la longue tirade du dernier acte. La grande artiste a su renouveler la mort de Marguerite, ce qui assurément n'était pas chose facile après tant de morts de théâtre déjà rendues par elle, et en faire une chose absolument originale et personnelle. Rappelez-vous, Guy Ducresne nous a rappelé à quel point les scènes de mort ou les scènes où elle assassine sont essentiel dans le répertoire de Sarah Bernhardt, et bien sûr, La Dame aux Camélias est un des sommets. Et je vous montre une photo de la mort de Sarah Bernhardt jouant Marguerite Gauthier. C'est d'ailleurs une photo américaine de Napoléon Saroni. Vous aurez aussi pas mal d'informations dans l'exposition sur ce rapport de Sarah Bernhardt à la photographie et notamment aux États-Unis. Quant à la deuxième citation que je veux faire pour illustrer ce passage à la Porte Saint-Martin, elle est liée à la reprise de la Tosca qu'elle va faire donc pour l'exposition, pour le public de l'exposition universelle en septembre 1889. Le troisième acte, le troisième acte, est celui de la torture. Frémissez, charmante spectatrice, et pleurez vos beaux yeux, car nul mieux que Sarah n'est capable de leur tirer des larmes. C'est dans cette scène que Sarah Bernhardt peut être appelée la grande Sarah. Depuis le moment où elle aperçoit le couteau sur la table et où l'on voit germer dans sa tête l'idée de poignarder le traître, jusqu'à la mise à exécution de son projet de vengeance, elle est absolument, incomparablement belle. Le Paris cosmopolite de ce soir le lui a dit en la rappelant d'acclamation. Sarah Bernhardt a été admirable de passion, de nervosité, de pathétique.
Et je vous montre une photo montrant cette scène, avec notamment ces deux bougeoirs dont elle avait eu l'idée pour encadrer le corps de Scarpia. Donc là, on est en 1889, et je vous ai dit que donc elle, à la Porte Saint-Martin, elle organise des reprises destinées aux visiteurs de l'exposition universelle. Hein, ce public cosmopolite dont on parlait, ce Paris cosmopolite dont on parlait dans la citation précédente. Mais quand même, d'abord, lorsqu'elle est revenue de tournée en 89, elle a fait une halte dans un autre théâtre où on ne l'attendait pas, et donc j'en parle. C'est le Théâtre des Variétés, hein, dont la façade n'a pas changé depuis 1807, que vous reconnaissez bien, où en fait, en avril, donc 89, elle a créé une pièce qui s'appelle Léna, un drame en quatre actes de Pierre Berton et Madame Van de Velde, tiré d'un roman anglo-américain déjà adapté à la scène à Londres. Alors, la pièce est vraiment très médiocre et elle a été beaucoup attaquée. D'ailleurs, le spectacle n'a pas eu beaucoup de succès. Mais ce qui a choqué beaucoup plus et ce qui est intéressant pour notre propos, c'était de voir Sarah Bernhardt jouer le drame aux variétés, c'est-à-dire sur un théâtre qui est avant tout un théâtre de comédie et d'opérette, théâtre sur lequel planait bien sûr encore le souvenir d'Offenbach. Il fallait bien que j'arrive à caser son nom dans la conférence. Voilà qui est fait. Un critique écrit « Mais où n'irait-on pas pour elle, qui est allée au bout du monde et qui est revenue ?» Et un autre répond « Ce n'est pas le drame à proprement dire que ce soir a pris possession des variétés, c'est Sarah Bernhardt, et Sarah Bernhardt est à sa place partout, même dans une grange. » Alors d'ailleurs, dans cette mauvaise pièce, Sarah avait ce que les spécialistes ont coutume de retenir comme une de ses plus belles morts sur scène. On en parlait un instant. Et je vais vous lire un extrait d'une conversation rapportée par Reynaldo Hahn dans ses souvenirs sur Sarah Bernhardt. Je n'ai pas mis la citation, je vous la lis simplement parce qu'elle est courte. Et voilà. Mais je vous montre en même temps une gravure de presse où vous voyez notamment la mort de Sarah dans l'ENA. Donc c'est ça, c'est Reynaldo Hahn qui parle. Nous parlons des chutes qu'elle fait sur le sol dans diverses pièces quand elle meurt. C'est idiot de travailler ça, dit-elle. La première condition pour bien tomber, c'est de ne pas calculer sa chute, de se laisser tomber sans crainte et n'importe comment. C'est une question de souplesse. On ne se fait mal que si on n'est pas souple. Moi, je me lance par terre, je m'abandonne sans me ménager et je ne me suis presque jamais fait mal. Et Sarah Bernhardt reprend. Elle trouve elle-même que sa mort dans l'ENA était remarquable. C'est là qu'elle tombait sur la figure, terrassée par la morphine. Alors bon, vous voyez la théorie de Sarah Bernhardt. Quand on sait la suite et malheureusement son amputation, je ne suis pas sûr que ses conseils soient forcément à retenir, donc ne suivez pas ce qu'elle vient de dire. Mais voilà, puisqu'on avait ce détour par les variétés et par l'ENA, je voulais parler des chutes de Sarah Bernhardt. Revenons donc aux années 1890. Après la grande tournée de 91-93 que j'ai citée au début de mon propos, qui forme vraiment une césure, elle change de théâtre et elle va prendre la direction, cette fois-ci nominative, du Théâtre de la Renaissance, qu'elle va diriger de novembre 1993 à décembre 1998. Et ce Théâtre de la Renaissance, elle va le diriger, et c'est très intéressant, avec un co-directeur qui est l'impresario américain Maurice Gros, qui organise ses tournées aux États-Unis. Et donc là, on voit vraiment l'imbrication entre les tournées et la carrière de Sarah Bernhardt à Paris, avec cet impresario américain qui devient co-directeur du Théâtre de la Renaissance. Théâtre de la Renaissance que je vous montre, que vous reconnaissez. D'ailleurs, vous voyez, il est juste à côté de la Porte Saint-Martin. On aperçoit la Porte Saint-Martin. C'est un théâtre plus petit. C'est un théâtre qui a été construit à l'emplacement d'un restaurant incendié sous la Commune. Donc il a ouvert en mars 1973. Il y a eu d'autres théâtres de la Renaissance au XIXe siècle, mais c'est d'autres établissements, donc on n'a pas à en parler. C'est d'abord un théâtre d'opérette. Offenbach et Lecoq ont eu des succès. Ensuite, un théâtre de comédie, mais c'est un théâtre qui a eu du mal à trouver sa place dans le paysage théâtral parisien. Et de 1973, son ouverture à 1993, le moment où Sarah Bernhardt arrive, on a 10 directeurs successifs. Ce qui est quand même un mauvais signe qui montre que le théâtre n'arrive pas à s'installer. À la Renaissance, sans doute du fait que Sarah Bernhardt s'implique plus, puisqu'elle est maintenant directrice nominativement, on a une programmation encore plus originale qu'à la Porte Saint-Martin. Alors
Certes, pardon, elle exploite son répertoire habituel, donc la Dame aux Camélias, Phèdre, Fedora, la Tosca. Elle est toujours fidèle à Sardou, avec Gismonda en 94 et Spiritisme en 97. Mais elle fait appel aussi à de nouveaux auteurs, notamment Jules Lemaître, avec la pièce avec laquelle elle commence son exploitation, qui s'appelle Les Rois, 1893. On dit d'ailleurs que ça serait une des premières fois que Sarah Bernhardt s'était autant impliquée dans la mise en scène du spectacle. Et donc, toute cette histoire de Sarah Bernhardt, metteuse en scène, mérite encore largement d'être écrite. Donc, Jules Lemaître avec Les Rois. Un auteur allemand, Hermann Sundermann, avec Magda, qu'on appelle aussi Le Foyer, en 94. Edmond Rostand, dont on nous a parlé. La Princesse Lointaine en 95, La Samaritaine en 97. Octave Mirbeau avec Les Mauvais Bergers en 97, pièce très intéressante, et Sophie Lucet vous en parlera le 23 juin en évoquant Sarah Bernhardt comme actrice engagée, ou encore Roman Colus avec Lysiane en 1898. Citons encore, pour évoquer donc ce passage de Sarah Bernhardt à la Renaissance, en 96, l'adaptation de Lorenzo Accio de Musset, où elle joue le rôle titre, et puis en 1898, l'adaptation par Catulle Mendès de Médée, où elle a aussi un rôle très important. Alors, pendant toutes ces années, où elle dirige avec Maurice Gros la Renaissance, elle continue à partir en tournée. Alors, ce n'est pas vraiment Gros qui peut la remplacer, puisqu'il part en tournée avec elle, il est impresario. Et donc, c'est généralement l'acteur Lucien Guitry, hein, le père Sacha Guitry, ou encore Victor Ullmann, l'administrateur du théâtre, qui dirige la Renaissance à sa place. Et d'ailleurs, la Renaissance a même de grands succès sans elle, en particulier cette pièce qui s'appelle Amant de Maurice Donnet, qui a été vraiment un très très grand succès en 1895, avec Jeanne Granier et Lucien Guitry. Hein, c'est un des grands succès de la Renaissance, mais ce n'est pas une pièce avec Sarah Bernhardt et écrite pour Sarah Bernhardt. Incontestablement, tout de même, Sarah Bernhardt impose sa marque à la Renaissance. Certains biographes lui attribuent un certain nombre de réformes qu'elle aurait faites en arrivant au théâtre. Suppression de la boîte du souffleur, abolition de la claque, le fait de ne plus faire de majoration sur les prix pour les places achetées à l'avance. Alors, j'ai été regarder d'un peu plus près. Elle a bien annoncé tout cela dans la presse avant sa prise de fonction, mais il faudrait vérifier si elle l'a vraiment fait. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas fait, mais là, il faut pousser l'enquête un peu plus loin, et en tout cas plus que par rapport à certains ouvrages qui rapportent ces éléments. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle instaure une représentation annuelle pour les étudiants, gratuite pour les étudiants, et rappelez-vous combien elle a apprécié d'avoir ce public d'étudiants à l'Odéon. Et puis aussi, quand elle part en tournée, elle a toujours ce rapport particulier avec les étudiants des différents pays qu'elle traverse. Et puis aussi, et c'est un point très important, c'est pour la Renaissance qu'Alphonse Mucha, dont vous voyez ici une affiche, mais pas pour Sarah Bernhardt, c'est donc pour la Renaissance qu'Alphonse Mucha commence à travailler pour elle. Et vous savez à quel point ces affiches produisent beaucoup d'effets encore de nos jours et ont beaucoup contribué à sa gloire. Vous les verrez toutes dans l'exposition. Je me contente d'en remettre trois que vous connaissez et qui sont vraiment des représentations complètement iconiques de Sarah Bernhardt. À la Renaissance, donc dans son théâtre, elle va même se payer le luxe d'accueillir en juin 1897 sa grande rivale, Éléonora XII, dont je vous montre une photo, XII qui est un peu plus jeune qu'elle, et est née en 1858. Et elles mourront toutes les deux au même moment, Sarah Bernhardt en 23, la XII en 24. Et donc, la XII est venue chercher à conquérir Paris, avoir une sorte de consécration parisienne avec son impresario, là aussi grand impresario, qui s'appelle Joseph Schurman. Inutile de vous dire que ça se passe mal, même très mal, avec de la mauvaise volonté évidente de tous les côtés. Et puis en plus, ça se passe tellement mal que la XII va faire sa représentation d'adieu au public parisien, non pas à la Renaissance, mais à la Porte Saint-Martin, ce qui agace beaucoup Sarah Bernhardt. Pour évoquer justement cet accueil de la XII à la Renaissance de Sarah Bernhardt, on va lire ensemble une lettre de Sarah Bernhardt en juillet, donc juste après ce passage de la XII, une lettre à Robert de Montesquieu. « C'est vous qui m'avez présenté la XII. J'ai été pour elle tout à la fois
tout à fait courtoise et patiente. Elle devait jouer 10 fois en 11 jours. Elle a joué 10 fois en 30 jours. C'est pour moi un surcroît de dépenses très important, puisque je laisse ouvert mon théâtre qui devait être fermé. Et je paie mon personnel, même plus que d'habitude, puisqu'il est en congé de droit. Tout cela, cher ami, je l'ai fait de bonne grâce, sans même en parler à personne. Vous n'ignorez pas toutes les petites lâchetés et infamies que j'ai dû subir depuis l'arrivée de la Duse. Ayant eu mon apothéose, on désirait m'enterrer. Vous n'ignorez pas que j'ai été obligé de déposer une plainte contre le nommé Schurman, qui a fait faire un article odieux et diffamatoire contre moi dans la presse. Vous n'ignorez rien des souffrances morales que j'ai éprouvées depuis un mois. Et voilà que lorsque j'ai tout conduit avec une patience et une loyauté parfaite, voilà la Duse allant donner ailleurs sa représentation d'adieu. Et ce qu'il y a d'odieux, c'est que ces gens auxquels je donnais mon théâtre, ma lumière et mes employés pour rien, donnent une représentation moitié payante. Le Schurman est allé trouver le vieux gâteau de Sarcey, qui déclare mon théâtre trop petit, laisse vendre des places dans une représentation moitié privée. Tout cela est malpropre. Et le rôle de la Duse a été fourbe, oh combien fourbe. Je trouve cela très vilain, très lâche. Et l'artiste italienne très au-dessous d'un caractère droit et noble. Elle ne m'a même pas écrit un mot de remerciement et d'adieu. Je suis tristement écœuré. Bon, là aussi, c'est un dossier qu'il faudrait reprendre. Mais cette rencontre, effectivement, entre la Duse et Sarah Bernard ne s'est pas très, très bien passée. Dans le texte que vous avez à l'écran, Sarah Bernard emploie le mot d'apothéose. Et ça renvoie à un événement que vous connaissez sans doute, qui là aussi est bien présenté dans l'exposition, qui est la journée Sarah Bernard, le 9 décembre 1893. Donc une journée organisée en son honneur, qui s'est d'abord déroulée au Grand Hôtel, où on a donné un déjeuner, et puis ensuite à la Renaissance, où on a donné une représentation en matinée devant le tout Paris artistique, littéraire et mondain. Et dans cette représentation, Sarah Bernard a joué le deuxième acte de Phèdre et le quatrième acte de Rome vaincue, une tragédie moderne d'un certain Alexandre Parodi qu'elle avait créée à la Comédie française en 1876, la représentation se terminant par une lecture de 5 sonnets en son honneur. Au passage, représentation en matinée, je vous rappelle que c'est simplement à partir des années 70 qu'on a commencé à donner des matinées. Là, on est en 96, mais le rythme de la vie théâtrale était différent auparavant. Alors, je vous montre le menu du Grand Hôtel, dessiné par Louise Abema, vous savez, un peintre qu'elle affectionnait beaucoup et qui était son ami. Je vous le montre avant tout parce que vous voyez sur la droite le théâtre de la Renaissance, hein, donc, qui apparaît bien là comme le théâtre Sarah Bernard, le théâtre de Sarah Bernard, et vous l'avez devant, comme on a vu tout à l'heure, Augier devant le théâtre de l'Odéon. Et puis encore plus intéressant, cette illustration de Clairin, dont l'autre grand portraitiste officiel, si je puis dire, avec Louise Abema et puis Meuchat de Sarah Bernard. Et cette image, elle est intéressante parce qu'elle nous montre bien que la célébration de Sarah Bernard à la Renaissance lors de cette journée, qui était vraiment un événement totalement exceptionnel. En tant qu'historien du spectacle, je ne connais pas d'autres célébrations de ce type au XIXe siècle, en dehors des départs en retraite. Voilà. Et on voit vraiment que cette journée est une volonté de se mettre sur le même pied que la Comédie française. Si vous regardez l'espèce de bandeau qui court, vous voyez que d'un côté, à gauche, vous avez Porte Saint-Martin et Renaissance. De l'autre côté, Odéon et Comédie française. La Renaissance et la Comédie française sont vraiment sur le même pied. Hein, je pense que ce n'est pas du tout un hasard que ce dessin a été conçu en lien avec elle. Il y a vraiment, de la part de Sarah Bernard, l'idée qu'elle incarne, à côté de la Comédie française, une autre tradition, une autre forme d'excellence du théâtre français. Donc encore une fois, et puis en bas il y a des noms, enfin on pourrait faire tout un commentaire de cette image tout à fait intéressante. Donc la Renaissance est un lieu de succès, de célébration pour son talent et sa gloire, et en même temps elle perd beaucoup d'argent
à la Renaissance. On a estimé qu'elle avait perdu 2 millions de francs en tout durant ses années de direction. Et elle perd beaucoup d'argent, notamment parce que la Renaissance, c'est un théâtre un petit peu petit et qu'elle a besoin d'une scène plus grande, comme l'était la Porte Saint-Martin, pour vraiment rentabiliser ses spectacles. Et donc, elle va partir en quête d'un théâtre plus grand, notamment en prévision de l'exposition universelle de 1900, qui, là encore, va amener toute une série de nouveaux spectateurs. Et tous les gens de spectacle savent bien au XIXe siècle qu'il faut profiter des années d'exposition universelle. Et donc, elle jette son dévolu sur un des trois théâtres municipaux de Paris, puisqu'en effet, les travaux d'Haussmann ont fait que la ville est devenue propriétaire de trois théâtres qui étaient auparavant sur le boulevard du Temple et que la ville a fait reconstruire à ses frais, le Châtelet, le Théâtre Lyrique, hein, tous les deux place du Châtelet, et puis le Théâtre de la Gaîté, Square des Arts et Métiers, trois théâtres qui ont rouvert en 1862. Donc Sarah Bernhardt s'intéresse à la salle construite par Daviou, place du Châtelet, pour le Théâtre Lyrique. Donc cette salle, je vous en montre une gravure, c'est une salle de 1800 places, inaugurée donc le 30 octobre 1862. Elle a été incendiée sous la Commune. Elle a été reconstruite par Daviou en 1974, rouverte en novembre 1974, avec d'ailleurs un peu moins de places, 1600-1700. Mais ensuite, ce théâtre qui a rouvert en 1974 n'a pas accueilli à nouveau le Théâtre Lyrique parce que celui-ci n'a pas pu repartir. C'est une histoire très compliquée que je vous épargne. Et donc, cette salle, on ne savait pas trop à quoi l'utiliser. Elle a eu un destin assez compliqué. Et elle n'a vraiment... je vous en montre une autre image, cette fois-ci sous forme de photo. Elle n'a vraiment retrouvé la faveur du public, cette salle donc située en face du Châtelet, que quand l'Opéra Comique est venu s'y installer, puisqu'en effet, l'Opéra Comique a subi un incendie terrible le 25 mai 1887, et il lui a fallu trouver une salle pour se réfugier, en quelque sorte, et d'octobre 87 à juin 98, donc pendant 11 ans, l'Opéra Comique est installé avec beaucoup de succès dans l'ancien Théâtre Lyrique, place du Châtelet, et c'est là que les Parisiens ont repris l'habitude d'aller au spectacle dans cette salle. Et donc, lorsqu'enfin on a voté les crédits pour reconstruire l'Opéra Comique, reconstruire une nouvelle salle Favart, la troisième, l'Opéra Comique est parti et le 7 décembre 1898 a été inaugurée la troisième salle Favart, que vous connaissez comme moi encore de nos jours, hein, magnifique théâtre qui a été restauré, qui en plus a une programmation tout à fait intéressante. Donc je pense que, comme moi, vous allez souvent à l'Opéra Comique bénéficier de magnifiques spectacles. Donc cette salle en question, a abrité l'Opéra Comique de 87 à 98. Ajoutons que de septembre à décembre 98, donc après le départ de l'Opéra Comique, le lieu a porté le nom de Théâtre des Nations, puisqu'en fait, on avait installé un directeur pour y jouer des drames. Il avait appelé son théâtre Théâtre des Nations, un certain Monza. Ça n'a pas du tout marché, mais je vous dis ça parce qu'effectivement, on parle parfois de cette salle comme du Théâtre des Nations, nom d'ailleurs qu'il retrouvera, mais c'est une autre histoire, au XXe siècle. Donc, Sarah Bernhardt se mobilise pour essayer d'obtenir de la ville de Paris la concession, le bail de ce théâtre. Elle fait appel à tous ses amis, hein, de Léon Bourgeois à Henri Rochefort, pour obtenir donc la concession de la salle, une concession pour 10 ans, qu'elle va obtenir contre un loyer de 100 000 francs par an. Et on va lire ensemble ce petit article dans la presse. Lettre à Louis Navarre, président du conseil municipal de la ville de Paris. Voilà 5 ans que je suis directrice de la Renaissance. J'y ai fait toujours des choses d'art, mais j'ai l'éternel chagrin de ne pouvoir les présenter au grand public. Mon théâtre est trop petit et les places un peu chères, à cause de la petitesse même de la salle. Il me semble que si j'avais le Théâtre des Nations, tous ceux qui désirent voir les belles choses que je présente au public, c'est-à-dire la classe moyenne, pourraient venir et je propagerais ainsi l'art noble, réparateur et instructif. Vous voyez aussi, en s'adressant aux autorités municipales, un projet quand même de théâtre éducatif. D'ailleurs, pas vraiment pour les classes populaires, on parle de la classe moyenne, mais pour un public assez large. Elle obtient le bail, elle obtient la concession. Elle donne sa dernière représentation à la Renaissance le 11 décembre 1898. Et
Elle prend possession de, du Théâtre des Nations, qu'elle rebaptise Théâtre Sarah Bernhardt, et elle donne sa première représentation place du Châtelet le 21 janvier 1899. Et là, on arrive au dernier théâtre parisien de Sarah Bernhardt, puisqu'elle va rester fidèle à cette salle jusqu'à sa mort en 1923. Alors, pour aborder cette dernière partie de ma conférence, je voudrais lire avec vous un texte un peu long, un texte assez connu, mais qui me semble vraiment indispensable. D'ailleurs, vous en trouvez un extrait à l'entrée de l'exposition. Un texte indispensable, car il donne une très bonne idée de l'activité de Sarah Bernhardt comme directrice de théâtre. C'est un texte d'Edmond Rostand. Alors, il est très dense. Donc, c'est un peu ma grande scène à faire. Donc, je demande l'indulgence de la salle. Et je vais me lancer dans cette lecture qui donc ouvrira la dernière partie de mon propos. Un cab s'arrête devant une porte. Une femme, dans de grosses fourrures, descend vite. Traverse la foule, cabassa le sol grelot de son attelage en lui laissant un sourire. Monte légèrement un escalier en colimaçon, envahit une loge fleurie et surchauffée, lance d'un côté son petit sac en rubané dans lequel il y a de tout, et de l'autre son chapeau d'aile d'oiseau. Mincie brusquement de la disparition de ses ciblines, n'est plus qu'un fourreau de soie blanche. Se précipite sur une scène obscure, va, vient, enfièvre tout ce qu'elle frôle, prend place au guignol, met en scène, indique des gestes, des intonations, se dresse, veut qu'on reprenne, rugit de rage, se rassied, boit du thé, commence à répéter elle-même, fait pleurer en répétant les vieux comédiens dont les têtes charmées sortent de derrière les portants. Revient à sa loge, où l'attendent des décorateurs. Démolit à coups de ciseaux leurs maquettes pour les reconstruire. N'en peut plus, s'essuie le front d'une dentelle, va s'évanouir. S'élance tout d'un coup au cinquième étage du théâtre, apparaît au costumier effaré, fouille dans les coffrets d'étoffe, compose des costumes, drape, chiffonne, redescend dans sa loge pour apprendre aux femmes de la figuration comment il faut se coiffer, donne une audition en faisant des bouquets, se fait lire sans lettres, s'attendrit à des demandes, ouvre souvent le petit sac tintant où il y a de tout. Confère avec un perruquier anglais, retourne sur la scène pour régler l'éclairage d'un décor, injurie les appareils, met l'électricien sur les dents, se souvient en voyant passer un accessoiriste d'une faute qu'il commit la veille et le foudroie de son indignation, rentre dans sa loge pour dîner, s'attable magnifiquement, blême de fatigue en faisant des projets, mange avec des rires bohémiens, n'a pas le temps de finir, s'habille pour la représentation du soir, pendant qu'à travers un rideau, le régisseur lui raconte des choses, joue éperdument, traite mille affaires pendant les entr'actes. Reste au théâtre, le spectacle terminé, pour reprendre des décisions jusqu'à 3 heures du matin. Ne se résigne à partir qu'en voyant tout le personnel dormir respectueusement debout, remonte dans son cap, s'étire dans ses fourrures en pensant à la volupté de s'étendre, de se reposer enfin, pouf de rire en se rappelant qu'on l'attend chez elle pour lui lire une pièce en 5 actes. Rentre, écoute la pièce, s'emballe, pleure, la reçoit, ne peut plus dormir, en profite pour étudier un rôle. C'est la Sarah qui travaille, c'est la plus grande. Merci. Merci pour elle, bien sûr. Alors, je commente un petit peu. Vous voyez la surcharge de travail hein, et le stress, la polyvalence hein, qui est propre à tous les théâtres, tous les directeurs de théâtre au XIXe siècle. Hein, ça, c'est vraiment la fonction qui veut ça. Si on détaille un peu, on a à la fois le travail de répétition sur scène, hein, l'animation des figurants, les nuances de jeu à inculquer aux comédiens, le travail en coulisses avec les décorateurs, les costumiers, les machinistes, les électriciens, les auditions à donner, le courrier à traiter, la programmation du théâtre à préparer, notamment en faisant lire des pièces. Donc c'est vraiment une ronde perpétuelle. Le texte a été écrit en 1899, donc c'était plutôt Sarah Bernhardt à la Renaissance, mais ça sera, et c'est déjà, la vie de Sarah Bernhardt, place du Châtelet. Alors je vous ai dit qu'elle débute sa direction donc le 21 janvier 1899 avec une reprise de Tosca. Et dès le mois de février, le 5 février, elle va organiser des samedis populaires de poésie ancienne et moderne qu'elle va tenir pendant des années. Donc ce travail de faire connaître la poésie à un public assez large. Au début, donc, elle fait des reprises. Et puis en mai 1999, elle joue Hamlet dans une traduction d'Eugène Morand et Marcel Schwab. Le mois suivant, d'ailleurs, elle part avec ce spectacle en Angleterre. Il ira même jouer Hamlet en français à Stratford-upon-Avon. Il faut quand même le faire, hein, mais Sarah Bernhardt était peut-être la seule à pouvoir faire ça. Et donc, lorsqu'elle part en Angleterre avec Hamlet, le théâtre ferme pendant 6 mois parce qu'il fallait organiser de grands travaux. Bon, l'idéal, ça aurait été de faire les travaux avant sa prise de fonction, mais finalement, elle a pris le théâtre et puis on a fait les travaux un peu après. Travaux financés à la fois par la ville et par la nouvelle directrice. Et elle rouvre, et c'est véritablement la vraie date hein, du théâtre Sarah Bernhardt, elle rouvre le 16 décembre 1899, à nouveau avec Hamlet. Et dès le lendemain, L'Aiglon de Rostand est élu aux artistes et les répétitions commencent aussitôt. Donc je vous ai dit, Sarah Bernhardt, et je vous montre quand même
une image, une carte postale du théâtre Sarah Bernhardt. On lit son nom sur le fronton. Sarah Bernhardt donc donne son nom au théâtre et elle en modifie l'apparence. Et là, il y a un parallèle à faire avec Réjeanne, qui ouvrira en décembre 1906 le théâtre Réjeanne rue Blanche. C'est l'actuel théâtre de Paris. Et dans 15 jours, le 16 juin, vous aurez une conférence d'Audrey Nestès sur Réjeanne et Sarah Bernhardt. Donc les travaux qu'elle a entrepris en 1999 sont vraiment importants. La scène est reconstruite, la salle est redécorée. Elle choisit notamment une couleur jaune bouton d'or et un éclairage poussière d'or pour donner à sa salle une couleur différente. Enfin, alors qu'on est à l'époque où le rouge a fini par s'imposer comme la couleur des salles de spectacle. Mais ça ne date que du milieu du 19e siècle. Et donc elle fait des travaux importants. Le foyer est décoré avec des portraits d'auteurs, Molière, Sardou, et 8 panneaux qui la montrent dans certains de ses rôles, des panneaux faits par Louisa Béma, Clairin, Mucha, donc la Samaritaine, Théodora, la Dame aux Camélias, Hamlet. Donc ce foyer devient une sorte de petit musée Sarah Bernhardt. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image. Je ne suis pas sûr qu'il en existe, mais je n'ai pas fait vraiment pousser la recherche. Ça serait intéressant de pouvoir voir ça plus en détail. Et puis aussi, elle se fait aménager une loge appartement, 5 pièces sur 2 étages, outre la loge proprement dite, un salon, une chambre, une salle à manger, où on peut manger à 12, une pièce d'habillement, un cabinet de toilette avec une baignoire, qui est devenue un peu mythique, le tout dans un style empire. Et malheureusement, ça a été détruit, mais il reste quand même quelques éléments de mobilier, donc voilà notamment la fameuse baignoire. Et on verra bien, lorsque le théâtre de la ville rouvrira, ce qui reste de cette loge appartement, ou au moins de mobilier cette loge appartement. Le théâtre Sarah Bernhardt a aussi un vaste plateau avec de grands dégagements, ce qui est très pratique parce que ça permet de stocker des décors et donc de pratiquer l'alternance des spectacles comme dans les théâtres officiels. Et donc là, elle a vraiment à nouveau un lieu lui permettant des mises en scène à grands spectacles. Vous l'avez compris, donc, elle a pris ce théâtre avec la perspective de l'exposition universelle et de briller lors de cette exposition universelle de 1900 grâce à l'Aiglon. L'Aiglon est créé le 15 mars 1900. Voilà une carte postale vous la montrant dans ce rôle. Donc, création des 6 actes de l'Aiglon d'Edmond Rostand. Elle a coupé ses cheveux pour jouer en travesti le fils de Napoléon. Et dans cette pièce, Lucien Guitry est inoubliable dans le rôle du vieux grognard Flambeau. C'est un triomphe, à la fois pour l'actrice, mais aussi pour la directrice. L'Aiglon sera un des principaux succès de l'exposition universelle. Sarah Bernhardt joue la pièce jusqu'au 30 octobre, donc jusqu'à la 237e. Et alors, elle part à ce moment-là en tournée. Et pendant qu'elle est partie, après donc cette série triomphale de représentation de l'Aiglon, la Comédie-Française va venir s'installer au théâtre Sarah Bernhardt. Pourquoi ? Tout simplement, la Comédie-Française, elle a brûlé à son tour, un peu comme l'Opéra Comique, le 8 mars. La salle Richelieu a été détruite par un incendie et la troupe, depuis, est hébergée dans différents théâtres. Et le conseil municipal a autorisé la sous-location de la salle de Sarah Bernhardt à la Comédie-Française. Et vous imaginez qu'elle n'est sans doute pas fâchée de montrer qu'elle pouvait rendre service à cette Comédie-Française dont elle était partie avec fracas. Alors, on lit parfois dans la biographie, oh, qu'est-ce qu'elle est généreuse, elle a donné sa salle, etc. Je pense qu'elle était un peu comme quand elle accueille Duse, elle était quand même très contente de montrer, voilà, c'est moi qui peux vous donner le moyen de jouer. Et puis, c'était aussi un moyen de rentabiliser sa salle en son absence. Mais c'est sûr que c'est un nouveau chapitre important dans l'histoire compliquée des relations de Sarah Bernhardt et de la Comédie-Française. Alors, je ne vais pas retracer l'activité de Sarah Bernhardt au théâtre Sarah Bernhardt dans toute sa... Non, tous ces détails, ça serait trop long, j'arrive à la fin de mon propos. Et puis surtout aussi, c'est très mal connu, parce que j'ai été surpris en préparant cette conférence, de voir que finalement, cette activité de Sarah Bernhardt au théâtre auquel elle a donné son nom n'a pas fait vraiment l'objet de travaux très, très poussés. On va lire ensemble un document intéressant, puisque un premier bilan est fait en 1909, lorsqu'elle demande le renouvellement de son bail pour, je cite, « finir noblement ma carrière en faisant de belles choses artistiques ». Fin de citation. Et donc, il y a un rapport qui est rédigé à l'Hôtel de Ville. Et donc, je vous lis ce rapport qui fait du coup le bilan et qui m'arrange bien, puisque c'est le bilan de cette première période de Sarah Bernhardt à la... au théâtre Sarah Bernhardt. Vous connaissez, messieurs, la haute valeur artistique de la direction de Madame Sarah Bernhardt.
et ses efforts pour donner au théâtre de la ville une tenue littéraire que vous avez certainement appréciée. Je vous rappelle que c'est sous la direction de Mme Sarah Bernard qu'ont été donnés notamment Hamlet de Morand, L'Aiglon d'Edmond Rostand, La sorcière de Victorien Sardou et plus récemment La Vierge d'Avila de Catulle Mendès, La Belle au bois dormant de Jean Richepin et Georges Quint et Les Bouffons de Miguel Zamacoïs. Sans compter des reprises d'œuvres comme La Samaritaine de Rostand, Pour la couronne de François Copé, Angelo de Victor Hugo et Le cheminot de Jean Richepin, ainsi que leur représentation périodique du répertoire courant de Mme Sarah Bernard, c'est-à-dire Phèdre, La Dame aux Camélias, La Tosca, etc. L'organisation matérielle du théâtre n'a rien laissé non plus à désirer. Et quant aux résultats de l'exploitation, si pendant une certaine période les recettes ont fléchi, laissant à cette époque un découvert à l'égard de la ville, la situation s'est depuis lors entièrement régularisée, et bien, si bien qu'au 1er avril 1909, date du dernier règlement trimestriel avec Mme Sarah Bernard, le compte du théâtre se soldait par un débit seulement de quelques francs. La situation se présente donc actuellement d'une manière très satisfaisante et il semble qu'une prorogation du bail au profit de Mme Sarah Bernard, dont la durée de 9 ans demandée constitue une période normale, doivent être envisagée favorablement. Cette dernière a d'ailleurs fait connaître que sa nouvelle direction éventuelle comporterait un programme qui paraît devoir présenter un caractère particulièrement artistique. 13 pièces seraient dès à présent reçues. En outre, Mme Sarah Bernard fait savoir qu'elle est décidée à renoncer à de nouvelles tournées à l'étranger pour se consacrer entièrement à son théâtre et à y créer les rôles des pièces reçues. L'administration donne un avis très favorable. Bon, la promesse sur les tournées, elle ne l'a pas vraiment respectée. Hein. Bon, mais bon. En même temps, il fallait dire ça. Vous avez tous fait des belles promesses pour obtenir des choses auprès d'une administration et personne ne vous le reproche. On estime que de 1899 à 1914, Sarah Bernard a joué environ une quarantaine de rôles et monté 25 pièces nouvelles au théâtre Sarah Bernard. En 1912, elle y fête dans son théâtre donc, son jubilé. Donc ses 50 ans de carrière professionnelle depuis sa sortie du conservatoire en 1862. Ce jubilé 1912, il a beaucoup moins de retentissement que la journée Sarah Bernard de 1896. Peut-être quand même parce qu'on peut dire qu'elle n'est plus tout à fait, elle n'a plus tout à fait le même statut, du moins à Paris. Et ça reste une star planétaire, mais à Paris, peut-être qu'elle était plus importante en 1996 qu'en 1912. En 1914 ou en 15, les sources ne sont pas cohérentes, la direction passe à son fils Maurice, associé à Victor Ullmann, et Maurice Bernard va rester à la direction du théâtre jusqu'à la fin de l'année 1925, donc encore après la mort de sa mère. Donc il faudrait étudier en détail, encore une fois, ce n'a pas été fait à ma connaissance, mais je suis preneur de toute information, la direction de Sarah Bernard et de son fils dans ce théâtre. Hein. Il y aura un beau sujet sur les Bernard aux places du Châtelet de 99 à 25. Quand même, outre les pièces qui ont déjà été citées dans ce rapport, on peut parler de Théroigne de Méricourt, 1902, pour l'Hervieux, dont nous parlera Sophie Lucet lors de sa conférence. Varennes, l'année suivante, enfin non, un peu plus tard, 1905, de La Vedant et le Nôtre, où elle joue Marie-Antoinette. Adrienne le Couvreur, en 1907, sa propre version de la pièce de Scribe et le Gouvet. La Reine Elisabeth, en 1912, d'Émile Moreau. Jeanne Doré, en 1912 aussi, La Rame naturaliste de Tristan Bernard, ou encore Régine Armand, une de ses dernières grandes créations, 1921, de Louis Verneuil. Il est vraiment incontestable. Ah oui, je vous montre quand même Maurice, au passage, hein, qui a surtout été le fils de Sarah Bernard, et voilà, qui a d'ailleurs aussi écrit des pièces jouées au théâtre Sarah Bernard. Il est vraiment incontestable que c'est Sarah Bernard qui a fait la renommée de la salle de la place du Châtelet, qui a porté son nom jusqu'en 1941, et c'est l'occupant allemand qui, bien sûr, a demandé à ce qu'on débaptise un théâtre, vu les origines juives de Sarah Bernard. Le théâtre Sarah Bernard a repris son nom de 1947 à 1957. Ensuite, il a été le Théâtre des Nations, et puis à partir de 1968, le Théâtre de la Ville. Et d'ailleurs, j'ai le grand plaisir de vous dire, Marie Aignée m'a autorisé à vous le dire, que la ville de Paris a le projet de rebaptiser le théâtre de la ville Sarah Bernard, ce qui me semble tout à fait justifié. Bon, j'aurais préféré le théâtre Sarah Bernard tout court, mais bon, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et donc, je pense que quand le théâtre va rouvrir à l'automne, il s'appellera théâtre de la ville Sarah Bernard, ce qui est vraiment une très très bonne chose. Et naturellement, lors des obsèques de Sarah Bernard, le 29 mars 1923, le cortège funéraire s'est arrêté place du Châtelet. Alors oui, ça, c'était aussi
une vue de la salle en 1925. Donc on voyait le nom de Maurice Bernard qui apparaît et de Victor Ullmann comme directeur. Regardez aussi le fait que l'administration, son entrée, c'est avenue Victoria. Je vous dis ça par rapport à ce que je vais vous dire dans un instant. Et donc, revenons aux obsèques. Donc, le cortège qui s'arrête devant le théâtre Sarah Bernhardt. Et puis, cet article de presse que je lis avec vous. On arrive place du Châtelet, devant le théâtre Sarah Bernhardt. Tous les yeux se lèvent vers le nom inscrit sur le fronton majestueux. Est-ce instinctif ? Le cortège s'arrête tout à coup. Pendant 30 secondes. 30 secondes de recueillement et d'indicible émotion. Il va rester là. Puis il repart. Et c'est de nouveau une pause brève, avenue Victoria, devant la porte de l'administration du théâtre, que si souvent Sarah a franchi, et devant la fenêtre, désignée par un grand nœud de crêpe, qui fut celle de son bureau de directrice. Le cortège reprend après la rue de Rivoli et passe le long de l'hôtel de ville. Ici, c'est un double cordon de gardes républicains en tenue de campagne qui monte la garde, attention touchante, et qui ne manque pas de grandeur dans sa simplicité. Alors, je ne veux pas conclure quand même avec ces obsèques, c'est un peu trop triste. Obsèques d'ailleurs payées, et c'est intéressant de le noter, par la ville de Paris, en hommage à tout ce qu'elle avait apporté à ce théâtre et à la capitale en général. Obsèques donc au cours duquel les Parisiens ont témoigné en nombre leur attachement à l'actrice, qui donc vraiment est inscrite dans l'histoire de Paris et dans l'histoire des théâtres à Paris. Et en fait, je préfère, pour terminer, revenir à 1889. Vous vous rappelez que je vous avais dit que le public avait été désorienté de voir Sarah Bernhardt créer un drame sur la scène des variétés. Et à cette occasion, il y a eu toutes sortes d'articles qui ont été publiés, et notamment, j'ai relevé un article très intéressant qui s'appelle « Sarah Attraction », d'un journaliste qui était aussi écrivain, qui s'appelle Gustave Geffroy, qui est connu avant tout comme critique d'art et qui a été d'ailleurs un des membres fondateurs de l'Académie Goncourt. Et dans son article, dont on va lire un petit passage et ça sera mon mot de conclusion, il montre qu'un monstre sacré comme Sarah Bernhardt ne saurait se contenter d'une salle de théâtre. Et d'une certaine façon, vous allez le voir, il annonce les méga-concerts des rockstars des 20e et 21e siècles. Et c'est sur cette anticipation que je veux terminer cette promenade dans le Paris théâtral de Sarah Bernhardt. En quelque sorte, en ajoutant à toutes les salles qu'on a vues ensemble, les salles du 19e siècle, les salles donc plus contemporaines, type Palais des Sports, Palais des Congrès, Bercy Accor Arena, Zénith, Stade de France. Et voilà cette citation. Il ne resterait plus pour rendre plus manifeste la joie de tout un peuple qu'à organiser cette solennité perpétuelle sur un théâtre digne d'elle. La salle des variétés est trop exiguë pour permettre les rassemblements que l'on est en droit d'espérer. C'est à l'Hippodrome. C'est au Champ de Mars, dans le grandiose Palais des Machines, ou plutôt c'est dans un hall immense, spécialement bâti par des ingénieurs aptes à employer utilement le fer et le verre. C'est là qu'il faudrait dresser l'idole devant les multitudes. Oui, décidément, il faut mettre Sarah Bernhardt à la portée de tous, sans distinction de classe. Tous les yeux pourraient se rassasier du spectacle par tous les secours des instruments d'optique. Par des perfectionnements d'acoustique, la moindre syllabe serait apportée dans toutes les oreilles. D'ailleurs, la voir et l'entendre, est-ce bien nécessaire ? Savoir qu'elle est présente, que c'est elle, cette silhouette lointaine qui défile dans la mise en scène d'une apothéose, c'en est assez pour exciter la foule jusqu'à la folie, pour la ravir jusqu'à la pâmoison. Je vous remercie. Merci beaucoup, ça donne le tournis même avant de lire Edmond Rostand dans toutes ces pérégrinations et cette activité dans les théâtres. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Il y a une question là, je crois. Merci, monsieur, pour cette magnifique conférence. Je voulais juste savoir quand est-ce que Sarah Bernhardt a joué Salomé d'Oscar Wilde. Ça se situe quand dans sa carrière ? Alors, en fait, je vais me tourner parce que, Dieu merci, j'ai des collègues avec moi.
Pascal, de mémoire, elle ne l'a pas joué à Paris. Et même, est-ce qu'elle l'a joué? On va passer le micro à Patrick Beignet, qui connaît bien ça. Non, il ne sait pas. Et qui est là, en fait. Oui, mais il fait non. Il fait non, d'accord. Merci, Solidarité professionnelle. Olivier, tu... Bon, voilà, donc, moi, je suis rassuré de ne pas être le seul à ne pas savoir. Mais effectivement, c'est une pièce écrite pour elle qui a été interdite par alors, la censure. Je vous donne le micro. Ah ben voilà, Violaine. Je crois qu'elle ne l'a pas jouée et que c'est indiqué d'ailleurs dans l'exposition. C'était prévu pour elle, mais en fait, elle ne l'a jamais jouée. Bon, c'est bien voilà, ça. Je parle sous le contrôle des commissaires de l'exposition. Oui, monsieur, s'il vous plaît, Sarah Bernhardt a toujours joué en français. Mais lorsqu'elle était dans les pays étrangers, est-ce que les acteurs parlaient français ou comment faisaient-ils? Alors, quand elle voyageait avec sa troupe. Donc, effectivement, c'était des acteurs français. Et donc, elle jouait en français. Alors, avec le fait, elle a beaucoup mis en avant le fait qu'elle avait participé, et c'est vrai, à la diffusion de la langue française, qui, au XIXe siècle, au début du XXe, reste quand même la langue de culture pour les élites mondiales. Donc, elle avait un public qui venait l'écouter en français, qui n'était pas francophone. Et elle dit même qu'elle est étonnée de voir un public américain réagir à des nuances de langue parce qu'il connaît bien la langue française. Et puis pour les autres, on distribuait un petit livret et les gens suivaient le livret. Et d'ailleurs, elle a dans un texte une très belle citation parce que naturellement, dans une interview, une très belle remarque, tout le monde tourne le livret en même temps et elle disait ça fait comme un bruit d'averse qui dure une seconde. Et c'est une très belle image, ce petit bruit du fait quand on l'ignorait. Et puis on raconte aussi toujours l'anecdote qui est fausse, mais comme on la raconte toujours, je vais vous la raconter aussi, du fait que, parce qu'elle a aussi un intérêt, d'une représentation aux États-Unis, au fin fond du Far West. Vous avez tous lu Lucky Luke et Sarah Bernhardt, hein, et qui est assez intéressant. Et donc, en fait, elle joue Phèdre, et puis on a distribué La Dame aux Camélias par erreur, et tout le monde, les gens suivent sans problème et suivent le. Voilà. Mais cette anecdote, elle est intéressante parce que effectivement, en fait, ce support, il est secondaire. Le talent de Sarah Bernhardt passe effectivement par sa voix extraordinaire, mais on peut ressentir toutes les émotions qu'il y a dans sa voix sans comprendre le français. Et puis, il passe aussi par son jeu, par tout ce qu'elle exprime. Donc, le théâtre. Les études théâtrales ont bien montré depuis pas mal de temps maintenant que le texte n'est qu'un élément parmi d'autres. Et donc, on peut tout à fait ne pas connaître le français et vraiment goûter un spectacle de Sarah Bernhardt. C'est ce qu'elle a fait devant les publics du monde entier. Mais donc, les spectacles étaient toujours en français. Je ne sais pas si... Je crois qu'elle a parfois joué en anglais, s'est essayé à quelques petites choses. Mais effectivement, elle incarne aussi la langue française à travers le monde. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Merci pour cette conférence. J'ai une question sur la direction de Sarah Bernhardt. Ça n'est pas, je crois, la première femme à avoir dirigé un théâtre. Enfin, en tout cas, je crois que c'est ce que j'ai lu dans l'exposition. Et je voulais savoir comment... Enfin, est-ce que c'était quand même courant à cette époque ou pas du tout? Et quand on voit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, à quel point c'est difficile aussi pour une femme d'avoir la direction d'un théâtre, par exemple le Châtelet, qui... Alors, effectivement, voilà. C'est une très bonne direction. Donc, j'ai évoqué Réjeanne, qui aussi a donné son nom à son théâtre, l'a dirigé. On a effectivement d'autres cas à cette époque. En fait, on a aussi, par exemple, une femme assez extraordinaire qui s'appelle Marguerite Montansier à la fin du XVIIIe siècle et qui a fondé notamment des théâtres à Paris, mais aussi le théâtre Montansier qui porte son nom à Versailles et que je ne saurais trop vous recommander d'aller voir parce que c'est vraiment une très, très belle salle fin XVIIIe. On a donc eu plutôt au XVIIIe, début XIXe,
un certain nombre de femmes qui arrivaient à diriger des théâtres. Ensuite, ça s'est un peu refermé. Ça, alors, on a aussi beaucoup de directrices de théâtre pour des troupes itinérantes en province, où les choses marchent un peu différemment. Donc finalement, quand on cherche, on trouve des femmes directrices. Mais c'est vrai que l'évolution au cours du 19e est plutôt vers une fermeture et un monopole pour les hommes. Et en fait, c'est simplement avec le développement du star system qu'à la fin du siècle, on va avoir quelques grandes stars qui ont suffisamment assez de pouvoir pour reprendre le contrôle et vouloir avoir leur propre théâtre. Donc voilà, c'est une évolution qui n'est pas linéaire, c'est compliqué, mais on trouve quand même des éléments. Et j'évoquais tout à l'heure Offenbach, une de ses principales interprètes, Zulma Bouffard, à la fin de sa vie, après la fin de sa carrière, elle s'est reconvertie en dirigeant le théâtre de l'ambigu comique dont on a parlé. Bon, elle y a perdu toute sa fortune et ensuite elle allait mourir à Pont-aux-Dames, la maison de retraite des artistes. Donc notamment aussi comme activité, éventuellement, une fois qu'on a quitté les planches, on peut avoir une direction de théâtre. N'oublions pas en plus qu'après 64, après ce qu'on appelle la loi sur la liberté des théâtres, l'État ne se mêle plus, sauf pour les théâtres officiels, bien sûr, de la nomination des directeurs, et que donc, si quelqu'un arrive avec les moyens financiers suffisants, parce que c'est ça la clé de tout, pourquoi pas une directrice. Donc voilà, c'est compliqué, et c'est une histoire qui n'est pas linéaire entre le début et la fin du siècle. Alors, à votre question, il faudra rattacher, bien sûr, celle de la mise en scène, puisque les directeurs font, à côté des auteurs, les mises en scène. Et je pense que là aussi, c'est je l'ai dit rapidement, une voie d'étude formidable pour la suite des travaux sur Sarah Bernard, son activité de metteuse en scène, ayant appris auprès de grands hommes de théâtre comme Sardou, Rostand et d'autres, elle se mêle de plus en plus. Et quand elle est directrice, elle a tous les leviers dans sa main de la mise en scène. Donc étudier les directrices de théâtre, c'est aussi étudier les metteuses en scène. Dans la continuité de cette question, je voulais savoir tous les aspects administratifs, financiers, etc. C'est elle qui s'en chargeait ? Alors, je pense que non. Je pense que Victor Ullmann, notamment, a dû jouer un très grand rôle. Et puis, il y a toute une cour autour de Sarah Bernard, des gens qui gèrent les choses pour elle, plus ou moins bien d'ailleurs. Mais c'est elle qui, quand même, prend les décisions stratégiques et qui, notamment, on le voit bien, a ce qui est la principale... le principal pouvoir d'un directeur de théâtre, qui est de choisir la programmation et de dire je prends tel auteur, je mise sur tel auteur, etc. Et de ce point de vue-là, sa programmation quand même reflète assez bien sa personnalité, ses goûts, ses envies, son sens des affaires. Et il y a absolument... c'est totalement compatible d'être un grand artiste et d'avoir le sens des affaires. Et elle en est un exemple. Et puis aussi, cette idée qu'au théâtre au 19e siècle, elle en est un très bon exemple. On peut faire faillite et puis on remonte... On est un peu sur le côté pendant certains moments et puis on repart et on a des grands succès. Enfin, l'activité théâtrale est quelque chose de très cyclique et la Roche Tarpeyenne est toujours proche du Capitole. Mais quand on a des personnalités ayant l'énergie d'une Sarah Bernard ou d'un Offenbach ou d'autres grands directeurs de théâtre, voilà, on fait profil bas, on amasse des capitaux et on repart. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie avec un courage extraordinaire. Parce que moi, ce qui m'a frappé en préparant cette conférence, c'est l'énergie incroyable et le courage qu'elle a manifesté. Et tout cet argent qu'elle gagne, elle le remet dans ses projets artistiques. Donc, c'est, bien sûr, elle s'enrichit en même temps, mais c'est avant tout de l'argent pour continuer à faire du théâtre avec Sarah Bernard. Et c'est là sa grandeur. Tout revient à la scène, tout aboutit à la scène. Ma double vie, ça veut dire que ma vraie vie, elle est sur scène. J'ai une vie, effectivement, dans la vie courante, voilà. Mais ma vraie vie, c'est sur scène. Et ça, quand même... c'est du coup une figure artistique assez extraordinaire et qui, à mon sens, peut complètement être un modèle qui explique qu'on fait très bien de mettre son nom au fronton d'un théâtre. Je crois que c'est le mot de la fin. Oui, je crois. Il y a plus de questions.